Salut à tous et bienvenue dans Music Box, l'émission où je vous parle de musique de jeu sous forme de top 3. Aujourd'hui, épisode consacré à un jeu en particulier, en l'occurrence le remake de Wonder Boy 3 The Dragon's Trap, jeu sorti en 2017 sur PC, PS4, Switch et Xbox One. Le jeu original étant quant à lui sorti en 1989 sur Master System puis en 1992 sur Game Gear. La direction artistique de ce remake a sublimé vraiment le jeu d'époque. Il en va de même d'ailleurs pour la partie musicale et c'est ce qu'on va voir au travers du top 3 du jour. À noter que les arrangements ont été réalisés par un compositeur français en la personne de Michael Gers. C'est d'ailleurs la première fois qu'il travaille sur la BO d'un jeu, assisté de Romain Gauthier. Pour rappel, avant d'entrer dans le classement, Wonder Boy 3 à l'époque, ça sonnait comme ça. C'était déjà super compte tenu des limites techniques de l'époque. Moi, aujourd'hui, je peux vous le jouer comme ça. Mais dans le remake, ça rend incomparablement mieux. La preuve tout de suite avec le classement. On commence avec le troisième de mon classement, The Last Dungeon. On peut considérer cette musique comme étant le thème du jeu, dans le sens où non seulement c'est avec elle que notre aventure démarre, mais aussi qu'elle avait déjà été utilisée pour le dernier château dans l'épisode précédent, Wonder Boy in Monsterland. Shinichi Sakamoto, auteur original de cette composition, accueille les oreilles du joueur par ses mélodies entraînantes. On ressent immédiatement le plaisir de partir dans cette quête, d'autant que notre héros est plutôt fort au début sans savoir que les choses vont bientôt mal tourner. L'arrangement proposé par Romain et Michael, où de nombreux instruments se côtoient, qu'ils soient à vent ou à cordes, offre un rendu particulièrement riche pour une aventure qui s'annonce tout aussi riche. Le ton est donné, le jeu s'annonce épique et on a envie de se confronter à la suite des événements. Vers la fin du jeu, en retournant dans le dit donjon, on a le droit à une autre version intitulée The Last Dungeon Encore, qui propose plus de percussions, notamment par le biais d'une batterie plus présente. Dans ce morceau inspiré par le délirant Space Channel 5, on remarque également l'omniprésence de la trompette. Pour ce rôle, il faut créditer le musicien Michael Hillard qui, après avoir découvert le jeu et tandis qu'il n'était pas trop tard pour apporter des modifications à la musique, s'est proposé pour interpréter cette partie et ainsi remplacer la trompette synthétique qui avait servi jusqu'ici. Allez, on passe au numéro 2. On poursuit le classement avec en numéro 2, The Unknown. Michael Gere, que vous voyez à l'œuvre actuellement, dit de cette piste « Au départ, j'avais pensé faire une version complète de l'OST au piano, j'ai fait quelques musiques et puis j'ai laissé tomber, c'est l'une d'elles. Nul ne saura jamais si une bande-son intégralement jouée au piano aurait été meilleure ou non, mais ce qui est certain, c'est que ce thème est une franche réussite et qu'il n'a rien à envier aux autres. »
illustrant les niveaux cachés et particulièrement difficiles du jeu. Ce morceau dynamique crée un contraste saisissant entre la légèreté de sa composition, puisqu'elle ne repose que sur un seul instrument, et le challenge élevé que représentent ces portions du jeu. Un autre thème propose la même mélodie dans le jeu, il s'agit de Adventure Zone. C'est la musique dont le compositeur avoue être le plus fier, son orchestration nettement plus développée étant inspirée par le travail de Danny Elfman sur Big Fish, film de Tim Burton sorti en 2004 chez nous. Allez, on passe au numéro 1. À la première place, nous avons le thème Monster's Lair. Si à l'origine tous les niveaux ont une seule piste pour les accompagner, le remake propose quant à lui plusieurs variations autour de cette même mélodie. Tandis que le compositeur venait d'accepter de participer au projet et qu'il mangeait dans un restaurant marocain, son esprit s'est concentré sur la musique de fond qu'il entendait, en train d'imaginer à quoi pourraient bien ressembler les musiques de Wonderboy en se servant de cet accompagnement. C'est ainsi que la version pyramide de Monster's Lair a rapidement été conçue. Évidemment, comme ça ne convenait que pour ce niveau-là, il a fallu créer d'autres versions afin de coller à toutes les ambiances. 2 ans et 250 compositions plus tard, à la manière des thèmes des boss, Monster's Lair se voit donc décliner en 7 pistes différentes. Ce travail d'identification approfondit la richesse sonore du titre et développe le sentiment de voyage et donc d'aventure en accord avec le genre de jeu qu'est Wonderboy. Pour l'anecdote, les 2 dernières versions de Monster's Lair utilisées dans le palais final ont été inspirées par le générique de Tintin. C'est bon, mangez-en. Et puis abonnez-vous aussi. Oui, c'était Michael Zur en personne. Merci pour ce petit message de soutien original. Je tiens d'ailleurs ici de nouveau à chaleureusement le féliciter et le remercier, tout d'abord pour son travail, mais également pour m'avoir apporté toutes les informations et anecdotes qui ont permis à cette Music Box d'être ce qu'elle est. Vraiment merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était donc le top 3 du jour consacré aux musiques du remake de Wonderboy 3 The Dragon's Trap, un jeu qui vaut vraiment largement le coup d'œil et donc le coup d'oreille.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Et en attendant la prochaine, et bien comme d'habitude, jouez bien et écoutez bien. Ciao !